Allez, on est reparti pour ce défi survie sur Fallout 4. Alors, voyons voir où on en est. Donc, notre statut. Nous avons un petit creux, nous sommes desséchés. Et augmente les chances de tomber malade. Donc, il faudrait un peu manger et un peu boire. Donc, vu qu'on a tissé de bonnes relations avec ces fermiers. Et j'espère que vous avez conscience de tout ce que vous avez fait pour nous. Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut tout leur voler. Mais il faut voir s'ils ont quelque chose d'intéressant au niveau de la nourriture et au niveau de l'eau. Donc là, ils ont des pommades qui sont excellentes pour la santé, bien sûr. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Il faudrait voir s'ils ont... d'autres bons trucs. Voilà, peinture... Ici, ils ont rien du tout. Enfin, peu importe, on va continuer maintenant notre voyage. Hop là, c'est la sortie et par là. Donc, est-ce qu'on a de quoi se restaurer légèrement? Ah ouais, donc là, les côtes de chêne ne donnent plus de PV, encore une fois, parce que on a notre jauge de faim trop basse. Donc il faudrait juste manger des pommates. Si j'ai compris, hein. Pommates. 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 Voilà. Maintenant on est bien nourri. Est-ce que les côtes de chat maintenant nous donnent? Toujours pas. Ah, c'est quoi ces conneries? Ah voilà, maintenant c'est bon. Donc maintenant qu'on est... Que notre faim n'est plus un problème, on peut se soigner. Ok, donc les aliments soignent seulement quand notre jauge de faim est à son maximum. Mais ils auraient pu mettre une jauge de faim quand même. Et donc la boisson, on a que de l'eau purifiée, c'est fou ça. Comme ça soigne, on va garder ça. C'est compliqué. Hein. Donc je pense qu'on va prendre les pommates. Pour vraiment... Donc on va rechercher un lieu... que l'on ne connaît pas. On va aller vers le sud. Vers le sud, c'est vraiment... Le sud-est, c'est un endroit de la map que je n'ai pas exploré. Donc on va aller voir ça. On va explorer ces terres arides et un peu désolées. Le problème, c'est que si je vais trop au sud, là, je vais tomber dans la mer luminescente. C'est pas un endroit où j'ai envie d'aller. Mais là, toute cette zone-là... Toute cette zone-là, je ne connais pas bien. Ou sinon, il y a cette zone-là aussi qu'on peut explorer. Ouais, vers l'est, ce serait pas mal aussi. Et ça nous rapprocherait de notre but. Allez, on va aller vers l'est. Donc on va regarder sur notre radar dès qu'on a une... Un point... En fait, le mode survie doit être dur si on commence le jeu en mode survie. D'ailleurs, j'avais fait une première partie que j'avais commencé en mode survie directement, le niveau le plus dur. Et j'avais galéré parce que je ne connaissais pas le jeu, je le découvrais. Et donc, c'était hyper hard. Et j'avais réussi quand même à rejoindre Diamond City. Donc ça doit être... C'est bizarre, il n'y a rien du tout ici. Ah si, c'est Concorde ça. Musée de la Liberté, tout ça, ça, on connaît déjà. Mais pourquoi c'est pas sur notre radar? Ça, je ne comprends pas. Pourquoi? Ah si, ça. Là, c'est sur notre radar, ok. Donc ici, j'ai déjà découvert, donc je n'ai pas le droit de looter les endroits que j'ai déjà découverts. Il faut qu'on trouve un endroit... inconnu. Mais j'ai l'impression que mes armes ne sont pas excellentes pour la reconnaissance, c'est ça le problème. Attends, il y a quelqu'un là-bas. Un habitant. Coucou. Hey, là. Vous feriez mieux de garder vos distances. Pourquoi? Quel est le problème? C'est une menace? Non, pas du tout. C'est juste que...
Je crois que j'ai mangé de la viande en boîte périmée. Bon, ok. J'aurais peut-être pas dû en manger 3 boîtes. C'était vraiment super bon au début, mais maintenant, ça me retourne les intestins. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'il fait là? Je suis sûr que vous sentez l'odeur d'où vous êtes. Viande en boîte. Il y a des flatulences, ce monsieur. Lukowski, mes fesses. Ça devrait plutôt s'appeler poison en boîte longue nette Lukowski. Tenez. Je vous donne ce qui reste. Je toucherai plus jamais à cette pâtée pour fangeux. Si je sors vivant de cette indigestion. Et si vous voyez cet empoisonneur de Lukowski, dites-lui qu'il peut aller brûler en enfer. Ah, il y a une mise à jour de la carte. Oh, oh bon sang. Désolé. Vous devriez pas rester là. Si c'est comme la dernière fois. T'as vraiment des trucs excellents, oh, des fois. Ça va pas être beau à voir. Ouais, ça va pas être beau à voir. Tu vas trouver ton pantalon, monsieur. Alors, il y a carte mise à jour. Ah, c'est peut-être pas ça, non? Alors, par contre, pour savoir où la carte a été mise à jour, c'est compliqué. Hein. On va aller dans cette zone-là. Au pire, on ira là, vu qu'on n'a jamais été. On va continuer vers l'est. Voyons voir ici. Ah, ça je prends. Alors, il n'y a pas de marqueur de radar. C'est quoi ça? Ah bah, une carrière, j'ai l'impression. Les carrières, c'est souvent de la merde. C'est une carrière. Est-ce qu'il est sur... Bah, je l'ai déjà sur mon radar. Mais pourquoi je la vois pas? Peut-être que je... c'est le mode survie ou peut-être que... C'est vraiment bizarre. Pourquoi je ne vois pas la carrière que j'ai déjà découvert, donc elle devrait apparaître sur mon radar en bas. Ah, c'est bizarre ça. Est-ce que c'est le mode survie ou peut-être parce que mes armes ne voient pas assez loin? Je ne sais pas. Ici, il y a quelque chose. Quelqu'un? Ah. Tirade de cafard. Ça, c'est un peu de la merde. Oh non, pas ça, s'il vous plaît. Ce truc là, il nous envoie des radiations, c'est de la merde. Merde. Je suis en train de pisser le sang là. Ah, il y en a encore. Faut se barrer de cet endroit là. Wouah. Le pire, c'est les tics. Ah. Il y a des munitions, je suis pas venu pour rien. Là, il y a aussi. Et. Y'a pas quelque chose dessus là? Qu'est-ce qu'il a? Non. Si. Non. Bon, il faut que je découvre un endroit là. C'est fou ça quand même. Je suis au milieu de nulle part là. Ah. Ah là, y'a quelque chose. C'est un Red Rocket encore une fois, non? La gare de Bedford. C'est ça. Gare de Bedford. Oula, qu'est-ce que c'est? Oula. C'est des ghouls. Voilà. Alors les ghouls, faut tirer dans les jambes. Hein. Quoiqu'elle a pas le temps de venir à moi. Elle est morte avant. Mais tire dans les jambes parce qu'il y en a certaines qui courent très vite. Il y en a encore. Ah oui, mais j'ai aucune perception en fait. Est-ce que c'est dû au mode survie ou pas? J'en sais rien du tout. Il croyait m'avoir lui.
Oui, il y en a un autre là-haut. Juste à côté. Il y en a partout en fait. Il est passé où l'autre? Oh merde. Oh, il est plus balèze celle-là. Ouah. Merde, j'ai un membre en moins. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ils sont sérieux. Merde, j'ai plus de PA. Attends 5 minutes là. Faut que je me soigne. Côte de chien. Ouah. C'est vraiment chaud quoi. Surtout quand tu cours, tu ré... Crever! Putain, mais elles sont balèzes, hein. Je vais me taper! Non, ça va. Ouais, mais je suis malade, d'accord, j'ai compris, hein. Ça met hyper longtemps à soigner. Oh putain, j'ai vraiment. Là, j'ai des gros problèmes, là, les gens, hein. Ah la vache. Et pourtant c'est des simples goules. Hein. Mais c'est vrai que là... Oh là là, qu'est-ce que j'ai. Adrénaline. Oh là 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 là. Alors, adrénaline, dégâts plus 10. Léthargie, réduction du multiplicateur de taux de points d'action. Desséché. Côte de chien, oh putain. Et surtout que j'ai un membre en moins. Comment on soigne ça, Steampack? Voilà. J'ai soif, mais j'ai plus d'eau. Hein. Je n'ai plus d'eau. Qu'est-ce qui pourrait soigner ma soif? Alors là. Ah si, j'ai de l'eau purifiée. Je vais prendre ça. Hein. Mais non, mais j'ai pas besoin de soins. Merde, ah oui, je me suis fait un Steampack. Eh, ça soigne beaucoup les Steampacks, la vache. Bon, je suis malade. Il faut vraiment que je voie un médecin. Il va falloir que j'aille à Diamond City en fait, pas le choix. Ouais. Alors il n'y a rien du tout ici. Hein. Terminal du quai de chargement. Règlement sur le transport. Le manifeste. C'est un peu de la merde tout ça. Ouais. Putain, j'ai pris cher. Mais surtout qu'ils donnent pas de nourriture. Eux. Ça va être compliqué là. Hein. Je vais prendre. Mais où est mon autre? Je comprends plus rien dans mon inventaire. J'avais une meilleure arme que ça. Hein. C'est celui-là. Voilà, on va prendre celui-là, c'est celui qui fait le plus de dégâts. Comme ça, on sera bien avec ça. Bon, maintenant, on va où? Ça, ça a été fait. Terminé. Voilà, donc ça fait un deuxième lieu de terminé. Hein, celle de la dernière vidéo, on va dire que c'était un seul lieu. Que j'avais fait deux quêtes, mais bon. Enfin, j'avais fait deux lieux, mais c'était une seule quête. Donc, deuxième quête de terminé. On va continuer à l'est. Et on va voir ce qui va se passer. J'ai toujours la soif et la maladie. Mais je pense que ça va aller. Là-bas, il y a quelque chose.
Mais c'est vrai qu'on voit rien en fait. On voit pas tout ce qu'il y a dans les alentours. J'entends des fusillades. Il faudrait redescendre un peu là. Alors on a une belle vue d'ici. Ah, un camion là-bas. Ah non, pas ça, pitié. L'art de tic, c'est ce qu'il y a de pire là. On va essayer de les éviter. Pas de goule. Hein. Attends, non, je passe pas ça, sérieux. Ils sont sérieux là. Ça me dit quelque chose ici. Hein. J'étais peut-être déjà. Une radio. Ah, on va pouvoir sauvegarder. On peut rien faire. On va continuer du coup. Là-bas, il y a quelque chose. Ouais. Et là-bas aussi, il y a une carlingue d'avion là-bas. On va aller voir ça. Est-ce que c'est un nouveau lieu ou pas? Oui, c'est un nouveau lieu. Putain, ça en met du temps. Qu'est-ce qui se passe? Oh la vache. Ok, donc un nouveau lieu. Un artilleur. Ok. C'est que j'ai une bonne arme. Mais je pense que je vais quand même... Oh merde, y'a un... Wesh, qui c'est qui lui tire dessus? Oh, elle a failli lancer un cocktail molotov. Faut que j'en prenne mes PA, mais ils montent pas vite, putain. Ça, c'est à cause de la maladie. L'autre, il loot. Mamma mia. 20%, ouais. Mais il fait chier lui hein. Ah, il est mort. Qui c'est qui l'a tué? Ah, il y a un milicien là. Eh mais c'est lost le truc. C'est bon. Vol Skylands 1981. Alors est-ce que c'est bon? Vu qu'il n'y a pas marqué terminé. Ça doit pas être un... Ça me sait pas un bâtiment. C'est juste une épave. Il y a peut-être du bon loot là-dedans aussi. Hein. Voyons voir. Mais c'est pas vrai. Attends, c'est du novice. C'est dans l'autre sens en fait. Ça y est. Ouais, un chapeau élégant, c'est cool. Hein. Ah, mais ils sont sérieux là, on va tout déverrouiller. Et j'ai plus que 8 épingles. Joli. Perception 1. Un coffre, ah, ben voilà. Ah, mais expert. Hein.
Oh là là. Ah non, c'est plus par là. Génial. Du calibre 50. Ah, ça c'est de la merde. Ok. On est bon là. Ah ah. Où est né de laine gris? Ah, un milicien. Ou un petit mousquet laser, c'est peut-être pas mal ça. Plastron. Voyons voir. Costume noir, on s'en fout. On s'en fout. Ah. Un fusil de combat. Et il y a des trucs pas mal ici. Hein. Clou de rail. Oh. Ok, c'est pas mal tout ça. Voyons voir ce qu'on a obtenu. En armes, enfin, c'est le bordel là-dedans. Fusil de combat, 131 dégâts, calibre 12. Donc c'est mieux que le double canon. Donc celui-là, on l'enlève. On prend celui-là à la place. Ok. Ensuite, ça c'est ici en ce qui est cool. Le 44 qui fait des dégâts. Ça c'est quoi ça? Ça c'est un sniper ça. Un revolver de fortune fusil. Dégâts 94, ce qui est pas mal. Avec des cartouches de 45. Cartouche de 45, mais c'est de la merde. Ouais. Les grenades, on va les mettre là. Et celui-là, donc le fusil, on va le mettre là. Ok. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, ça. Tout, je suis très bon en compétence sniper. Oula. Eh ben, on va garder ça. Allez, c'est parti. Donc, c'est notre troisième lieu découvert, ça. La quête avance. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu un mousquet laser aussi là. Il est là. Ah mais j'ai pas beaucoup de cellules et puis il fait moins de dégâts. En plus c'est un truc qu'il faut charger. C'est vrai qu'on a eu des tenues aussi. Alors le bandana rouge c'est de la merde. Ça c'est de la chance. Charisme, charisme. Ouais c'est un peu de la merde. Lunettes de soleil, perception, c'est pareil. Le plastron en cuir. Il peut être cool parce que j'ai pas de plastron. Si, j'en ai un. Est-ce que j'ai un plastron? J'ai un plastron 20. Ah, il est moins bien. On va le jeter. Tenue sportive qui me rajoute 2, mais en bas seulement, c'est de la merde. Vêtements de cuir. Non, je garde mon truc de machin. Après, chapeau élégant, ça sert à rien. Notre bonnet, le gros hipster, le matraque on s'en fout, pistolet laser on s'en fout, le béret militaire, tiens, très militaire sale, on va voir ce que ça donne ça. Béret militaire perception 1, ah oui c'est mieux, je mets, j'enlève le bonnet là, la cagoule on s'en fout, le chapeau de milice on s'en fout, le chapeau élégant on s'en fout, le de soleil on s'en fout, et celui-là force et agilité. C'est pareil, en plus les salons qu'on s'en fout. Hop. Ok. Tomate et whisky, c'est parti. Ok, donc ça c'était à l'aéroport, c'est cool. Troisième lieu découvert. On peut se casser d'ici. On va aller. On va continuer par là-bas, cette zone-là. À mon avis, il y a des choses aussi. Et là, il y a des trucs en plus, donc voilà. Ou alors aller vers le sud. On peut aller vers le sud. Ouais. On va aller vers le sud, on va peut-être longer le fleuve là.
À moins qu'on aille par là. Ah, parce que par ici, il n'y a plus rien. On va aller vers le sud, allez hop. C'est parti! Il y a une usine là-bas qu'on n'a pas découverte. Eh ben on va y aller du coup. Elle a l'air énorme en plus. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Général atomique. Il est pas hostile. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre quatrième lieu découvert. Bienvenue à la General Atomics Galeria. Vous devez être notre nouveau superviseur. Ça. Et je suis aussi gouverneur du Massachusetts. Monsieur Graham, le gouverneur provisoire. C'est un honneur. Ça explique le retard. Vous devez avoir un emploi du temps très chargé. Laissez-moi vous accueillir à votre nouveau poste. Dès que vous aurez trouvé le temps de vous installer, vous devriez aller voir le directeur. Son bureau se trouve dans la statue, au milieu de la place. Dans la statue. Est actuellement fermée au public. Mais le personnel et les employés sont autorisés à circuler dans les locaux, bien sûr. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous aider. On s'en fout. Très bien, je vous souhaite une bonne visite. On va voir, on va découvrir. Donc la statue, c'est là-dedans. Ah, c'est là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Allons voir le directeur. Appelez-moi le directeur. Méfiez-vous des voleurs, des intrus et des communistes. Fallon's Department Store. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un robot? Ah oui, c'est un robot. Avancez. Vermine. Lusinges. J'ai surveillé votre approche. Impressionnant. Ok. Lui, je crois, dans un western. En fait, la mafia embauche pas. Mais je me débrouille. C'est exactement ce que dirait un espion. Tous des petits prêtres. Excellent. Qu'est-ce que vous mijotez, hein? Pour qui vous travaillez? Répondez. Attendez, la grande réouverture? Vous êtes 18 Alpha, le superviseur de la grande réouverture? Ouais. Vous êtes sortant. C'est moi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah merde. L'autorisation manuelle. Il y a une autre possibilité. L'activation automatique était prévue pour le 1er janvier 2078. Oula. Attendez. Analyse en cours. Tâche corrompue détectée. Planificateur de tâches réparé. Exécution de la tâche planifiée précédente. Accès au protocole en cours. Pour la grande réouverture. Ouais, on va réouvrir. Ah, il y a un bowling. Et alors? Je suis occupé, soldat. Rompez. Mais c'est tout. Du nouveau superviseur du centre. La bon. General Atomics Galeria est désormais ouverte au public. Cool. Donc on a réactivé cette usine là, où c'est une sorte de galerie commerciale, j'ai l'impression. Oh, allez voir au bowling. Hein. Intéressant. Bienvenue au Bacalais Bowling. Je crains que nos pistes ne soient pas disponibles ah. aujourd'hui.
Mais faites-nous un tour si vous le souhaitez. Dommage. Je vous souhaite une bonne visite. Le gars, il s'appelle Strike. Je m'excuse du désagrément. Tout cela a besoin d'un bon nettoyage. Ça fait quoi? Quelques siècles. Passez une bonne journée Split. À la Galeria. Ah, vous êtes balèze. Ah, une petite assiette de dîner. Hein. Une soupe aux légumes, moi je prends. Hein. Oh, personnel. Bienvenue au Bacalet Bolivie. Est-ce qu'il y a une quête ici? Ouah, tu peux prendre des boules de bowling, mais ça sert à quoi? Elles sont un peu défoncées, vos pistes. Hein. Attention, on va faire un petit strike là. Mais oh, vous êtes prêts? Ah! Hop! Oh merde, la rigole! Ah là 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 là! Hello! Je suis désolé. Première monsieur, quille. Les pistes sont fermées. Nous ne sommes pas ouverts au public aujourd'hui. Ah ouais? Oh putain. Là, t'as des trucs intéressants là. Oh oui! Oh là 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 là! Un 10 mm. Il est un peu pourri celui-là. Ouais, pistolet automatique, 10 mm machin. On s'en fout. On va prendre celui-là par contre. Hein. Celui-là a l'air très très bien comme tenue. C'était quoi? Putain, c'est tellement le bordel. C'était ça. C'est le brassard machin. Brassard droit d'armure de combat. Qu'est-ce que j'ai déjà en brassard droit là? Là. Ah oui, mais c'est beaucoup mieux là. Oh là là. Oh, ça tu vires ça. Alors, rien d'autre ici? Ça m'étonnerait. D'habitude, dans ces endroits, il y a toujours quelques trucs à faire. Une petite quête. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hop. Slaves. Zéro. Donc, du coup, ça peut pas être spying. Ça peut pas être meager. Ça peut pas être pulled. Ça peut être battle. Battle 1. Saying, ça peut pas. Bodies. Ça peut. Mais non, ça peut pas, je suis con. Bodies, ça peut pas. Walked. Ça peut pas. Nation, ça peut pas. Taverne, ça peut pas. Ah bah, c'est office. Non? Ah bon? Voilà. Tant pis pour moi. Ah mais on revient ici, connerie. Tu croyais planquer ta caisse, hein. Ça, je n'ai pas besoin, je m'en fous. Ouais, c'est un lieu sympa, mais il se passe rien du tout ici, hein, par contre. Il se passe rien du tout ici. Donc on va virer de cet endroit. Il n'y a pas de quête, ça sert à rien. À mon avis, ça sert à faire du troc, des trucs comme ça. Ce temps de chargement. Donc c'est cool, on a découvert pas mal d'endroits. Bienvenue dans la nouvelle version de la... Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de... de véritable quête. Formidable. Vous arrivez juste à temps pour la démonstration du jour. Ah. Merci de regarder attentivement la démonstration. T'inquiète, je vais voir ça. Allez, vas-y, montre-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette démonstration? General Atomics, le leader mondial du marché de la robotique. D'une grande fiabilité, notre gamme de robots Mister Henry vous libérera à vie de toutes les tâches domestiques. Ouais. Qu'il s'agisse de s'occuper des enfants, de faire les courses ou d'assurer le divertissement de la maisonnée, aucune tâche ne rebute Mister Henry. Nos modèles sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
si vous entretenez bien votre disque REM, t'as pas ça de la durabilité, toi. Oh là là. General Atomics est fier de proposer à ses clients militaires la gamme Mister Guts, qui est équipée de matériel militaire dernier cri. Voilà qui conclut notre démonstration d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Ah, c'est tout. Ok, monsieur. Oh là là, il y a du stuff là-dedans. On s'en fout un peu, nous, on va explorer. Alors. La carte. Ok, donc on est là. On va aller vers la Covenant, je sais pas ce que c'est ça. Ou alors on continue à l'est. Alors on va continuer à l'est, allez hop. On va continuer à l'est. Hein. Bienvenue chez Baden. Je crains que le champion, notre instructeur de boxe, ne soit pas au mieux de sa forme. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Danny pourra vous aider. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Il y a peut-être des quêtes, mais il faudrait parler à tout le monde. Et ça, c'est pas possible. Allez, on continue à l'est là. Là-bas, il y a un bâtiment. On va aller là-bas.